Dans le but de relever le niveau de développement de l'administration nigérienne confrontée à des défis liés à l'insuffisance des moyens et au faible professionnalisme des acteurs, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a organisé du 15 au 17 novembre dernier, dans la salle de réunion du relais de Koni, un atelier pour la mise en place et la gestion d'un service et la documentation communale qui a regroupé une trentaine de participants venus de 13 communes du pays. Après les mots de bienvenue du maire de la commune urbaine de Koni, Dr Ousmane Semel, et les remerciements du préfet de Koni, Moukele Sorka, le haut commissaire à la modernisation de l'État Omar Sulé, en ouvrant les travaux, a tenu d'abord à remercier les participants au nom de son Excellence le Premier ministre pour avoir fait le déplacement de Koni avant de situer la raison qui les réunit. Les formateurs chevronnés sélectionnés par notre institution s'emploieront pour permettre aux participants de bien percevoir la nécessité de la mise en place d'une gestion rationnelle des archives, de bien assimiler les procédures de versement administratif des archives dans un dépôt, de maîtriser les techniques de tri et d'élimination des documents d'archives, et enfin de s'approprier les normes internationales de la description des archivistique centrale pour les institutions archivistiques. Les participants à cet atelier se disent très satisfaits des thèmes qui leur ont été présentés et souhaitent la généralisation de ces genres de rencontres. On est sortis armés durant ces 3 jours de travaux. Le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a tout fait. Et vraiment, ils nous ont amené des formateurs hors du commun, vraiment, qui sont à la taille. Et vraiment, on est fiers de ce qu'on vient d'apprendre et on est sortis documentés et armés. Nous sommes outillés et nous avons reçu des acquis, n'est-ce pas, qui vont nous permettre d'être beaucoup plus utiles, n'est-ce pas, à rendre opérationnels les centres ou les services d'archivage et de la documentation au niveau des communes. Pour ceux qui connaissent la valeur historique, la valeur juridique et même scientifique, n'est-ce pas, des archives, n'est-ce pas, cette fois-ci vraiment l'archivage au niveau de la documentation au niveau des services des communes, n'est-ce pas, pour les utilisateurs et l'usager, vraiment la porte est ouverte pour eux. C'est dans l'intérêt général de l'administration pour accompagner les services des intérêts publics, n'est-ce pas, des communes que cet atelier a été formé dans le cadre aussi de la modernisation de l'administration nigérienne. Cet atelier contribuera à améliorer la capacité des participants sur l'utilité et l'importance de la conservation des archives et documents, mais aussi de renforcer leur capacité en tant qu'acteurs communautaires. Durant ces 3 jours de formation, les participants ont été édifiés sur des thèmes riches et variés par des experts. Cet atelier organisé par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a été financé par le PAC 3.